Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ouais c'est pas une vidéo cool puisque oui c'est un nouvel épisode des news de la PS Vita. Mais Sony en fait a tout simplement annoncé aujourd'hui ou hier je sais pas, bref, en gros qu'ils allaient stopper d'approvisionner les stocks aux Pays-Bas, donc pas en France etc. Mais aux Pays-Bas, en gros, une fois que toutes les PS Vita du Pays-Bas sont vendues, il n'y a plus de PS Vita du tout aux Pays-Bas, à moins d'en importer. Enfin bref, voilà. Donc c'est assez dommage, franchement, mais c'est aussi une preuve malheureusement que Sony abandonne encore plus la PS Vita. Personnellement, ça me dérange pas spécialement. Enfin si, ça me saoule dans le sens où la PS Vita est abandonnée, alors qu'elle a un super potentiel, mais déjà ça annonce pas la mort de la PS Vita, même si ça l'annonce pas tout à fait, puisque même si Sony l'abandonne, les autres jeux l'abandonnent pas. On a encore plein d'autres jeux qui vont arriver sur PS Vita. Justement, je vous fais des news dès qu'il y a des jeux qui sont pas disponibles, mais dès qu'on a des news sur les PS jeux, bah je vous en informe. Ça c'est pour vous prouver à quel point il y a quand même des bons jeux qui vont sortir. Et même si vous voulez, il y a aussi plein de jeux qui sont déjà sortis. Enfin bref, voilà. Donc même si c'est nul qu'il n'y ait plus de PS Vita en Pays-Bas, même si on a peur que ça s'étende à toute l'Europe, donc en gros en France aussi il n'y aura plus de PS Vita, eh bien faut continuer. Moi perso je continue de jouer à cette PS Vita, de toute façon maintenant que j'ai la console, même s'il n'y avait pas de PS Vita en France, ça me dérangerait pas. Puis de toute façon Sony a abandonné donc ça sert à rien quoi. Donc en gros voilà, moi je continue de jouer à la PS Vita, j'attends toujours autant de jeux qui vont sortir, et j'espère que vous en faites autant. Voilà. Et donc sur ce, voilà, plus tout le monde.